Bonjour, bonjour. Alors c'est parti, on va partir pour le grand tour de Suisse. Donc là il fait un peu moins de 10 degrés, je vais remettre tout à zéro avant de partir au niveau des consommations, tout ça. Donc on verra tout au long du trajet. Et là je vais quand même vous montrer comment on a tout mis dans le coffre. Parce qu'on part pour 8 jours et on est 3 avec un bébé. Donc voilà. Donc là, on peut voir quand même qu'il y a deux valises normales hein, qui rentrent dans les aéroports, là, dans les soutes. Et puis bagages à main. Là derrière, je sais pas si vous voyez. Là derrière, il y a encore le chargeur nomade qu'on a pris avec au cas où. On a quelques affaires ici. Quelques affaires ici encore. Désolé pour le bruit. C'est la petite qui chante, qui joue avec son doudou. Donc voilà, on est quand même bien bien rempli. Et puis ben, au niveau du trajet, voilà ce que ABRP nous dit. Donc aujourd'hui on va à Montreux. Donc on en a pour comment faire avec la lumière là, c'est pas top. Ouais. Il y en a pour 4h30 de route, 213 km. Et 30 minutes de recharge. Donc là, nous on va quand même faire plus de détours pour prendre des photos, tout ça, pour profiter un peu du paysage. Donc j'arrive, Dora. Donc on verra tout ça. Je vous tiens au courant lors de nos arrêts, puis vous aurez des petites images normalement des points de vue. Donc là la météo, elle est ben il fait pas trop nuageux pour le moment. Et le reste de la semaine est plutôt nuageux. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Sur ce, à plus.
Alors nous voici pour notre premier arrêt recharge. On en a pour un petit moment là, on a encore, si j'ai pas de bêtises, on doit encore aller à Montreux. Je sais pas la distance qu'il nous reste à faire. Par contre, là on a eu des belles routes et tout. C'était vraiment cool. Et bah, pour le coup là, je vais vous montrer un peu le tableau de bord. Comme on peut voir, j'ai parcouru, attends, je vais zoomer un petit peu, 206,4 km depuis ce matin. Il nous reste 25% de batterie, 77 km estimé, et on a fait du 9,3 kWh au 100. Donc vraiment bien, je suis vraiment content. Après, la raison pour laquelle ça... Ouh. On arrête le zoom. La raison pour laquelle on a fait autant peu, c'est qu'il y a eu pas mal de tracteurs, on a eu des cols, on a eu un peu tout. Mais on a eu une vitesse moyenne de 48,5 km/h. Donc vraiment content. Et là, on va faire notre première recharge chez Landy. Donc à Grolla. Je vais vous montrer la, enfin, je vais vous montrer la machine. Elle est là. Donc on va charger jusqu'à, je pense, 100% pour être tranquille. Et voilà quoi. Du coup, on arrivera à l'hôtel à Montreux. On pourra se promener, encore faire peut-être quelques prises de vue. Voilà. Petite remarque, j'ai eu un petit souci. Vu qu'on a fait pas mal de routes, pas mal de villes, il y a eu pas mal de dodanes. Et depuis mon frunk, j'ai le couvercle qui bouge. Donc je pense que je vais devoir mettre du scotch ou trouver quelque chose en attendant. Bon, allez, je fais la recharge et puis ben, à tout à l'heure. Kilowatts de puissance. Et le 100% en 35 minutes. C'est top. Donc voilà.
Alors, on arrive à destination. Donc, c'était un peu long. On est parti assez tôt ce matin. Et là, il est passé 17 h. On a fait ben qu'une charge. Là, il y a beaucoup de bouchons là, entre Lausanne et Montreux. Pas trop l'habitude. Et là, il pleut. Donc, j'aurai pas trop d'images. J'espère que demain il fait un peu meilleur. Et puis je vais encore vous montrer la consommation. Donc voilà, on voit qu'on a parcouru 246 km. Il nous reste encore 191 km d'après 190. D'après la voiture, on a 67%, donc on a consommé en 1 heure de temps, je sais pas combien de kilomètres il y avait, du coup on a consommé 13%, et on a 9,4 de moyenne, donc c'est vraiment bien. Ben, on verra demain, là, on ira en Valais, donc ça sera un peu différent, et on a une vitesse moyenne de 44,8. Donc, c'était tout. C'était en tout cas des paysages vraiment sympas. Ça faisait longtemps que je n'ai pas conduit comme ça. Mais c'était cool. Vraiment, je suis surpris en bien de cette petite voiture. Et du coup, je pense qu'il y aura un épisode qui sortira chaque semaine, de chaque jour en fait. Donc, il y aura celui d'aujourd'hui. Et puis ben, la semaine d'après, il y aura celui de demain, etc. etc. Ben, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt!